au nom de Jésus. Tu libères son âme. Tu libères son esprit. Tu libères son âme. Tu libères son esprit. Lâche-la. 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 Va! Allez! Feu! 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 Par moi, les enfants, quand ils les voient posséder, ça me fait pitié parce qu'ils sont. Ces personnes sont prisonnières dans une prison. Ne peux rien contre ça. Je suis délivré. Pour boire bon, il y a mon cuir glacé, c'est fini. Ça te fait du bien. Sors, allez! Feu! Feu! Lâche-la. Ça veut dire qu'elle était possédée d'un démon. Si vous fréquentez ici-là, votre manière de voir les sorciers a changé. Vous allez plus les aider. Tâchez de travailler. Vous avez peur ou bien? Va-t'en. Va-t'en. Je compte à trois. Un. Deux. Trois. Pousse ton cri et va-t'en. Va. Tu quittes totalement ce corps. Je t'envoie dans la mer. Tu m'attends? Dans la mer. Possédé par des démons, le diable contrôle. Souvent, on le désaide ces personnes. Il faut des procès des gens, des isoles quelque part. J'ai sorcier, non, qui travaille, tout ça. Oh, l'église doit délivrer les gens, l'église doit aider les gens. Amen. Même à Judas, Jésus a donné un baiser à Judas. Jésus n'a pas détruit Judas. C'est ce qu'il a fait là, qu'il a payé. Je suis convaincu que le démon est parti. Dis amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Ange. Ange. D'accord. En plus, elle a un joli nom. Ange. Oui, c'est maintenant que tu deviens un homme. Un nom d'ange. C'est maintenant que tu deviens ange. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, elle va vous mettre à voir son papa. C'est les gens qui ont son père. Elle va plus aller prendre la peau de son papa, aller à la banque pour étudier son propre argent, l'argent de son père. Oui, d'accord. Pardon? J'ai dit 24 000 sur un salaire. Un salaire, 24 000. Aidez-vous. Amen. Qu'est-ce que c'est dans les bouteilles d'huile? Voilà, nous n'avons pas encore fait le plein, là. Ok, je ferai ça tout à l'heure. Allons-y, dehors. Non, demain. Tout à l'heure, quand j'ai fini, et lui, y compris lui, c'est là. Peut-être que le serment. Et on gérer ça. Et puis la libérer, c'est fini. Elle constitue plus rien danger. Maintenant, c'est vous qui devez l'aider. C'est-à-dire sa nouvelle vie là. Si vous ramenez son histoire, là, quitte la sorcière, vous ne l'aidez pas. Vous ne l'aidez pas. Vous devez d'abord croire en sa délivrance pour qu'elle aussi puisse croire en elle-même. Or, pour qu'elle puisse vivre une nouvelle vie,
vous devez la rassurer. Or, si elle n'est pas rassurée, ce serait difficile pour elle-même de grandir dans ce genre d'atmosphère où on la voit toujours comme sorcière et c'est dangereux. Or, c'est ce que Satan va vouloir créer. Amen. Ne voyez pas comme les anciennes habitudes où on casse un verre, ou quand on va commencer à casser un verre, on la voit, ah non, ça t'a pas changé. Hein. C'est un verre qui est cassé. C'est un verre cassé. Amen. Amen. Voilà, donc aider les gens dans leur délivrance, parce qu'elles, maintenant, elles voient où nous devons l'aider à concevoir sa délivrance. Sinon, elle replonge. Or, si elle replonge, vous savez, c'est la mort. Ce sera encore plus grave. Or, la Bible dit que quand un démon va, il rôde, et puis il revient après. Il peut même vous utiliser, replonger cette personne dans les vilaines choses. C'est pas vos comportements. Vous savez que par moi, je recueille les gens, j'ai plus plein d'enfants ici. Hein. Il y a un monsieur qui voit son fils en train de pousser envers ma chaîne. De toute façon, il regarde. Vous faites, qu'est-ce que tu as? Il dit, bon, quand tu penses que je ne vais pas délivrer, viens le délivrer. Or, c'est la peur qui fait que le roi est ma chaîne. Mais lui, il n'accepte pas sa délivrance. Or, c'est dangereux. C'est depuis qu'il est ici à moi que le papa a fini par croire qu'il est délivré. Il dit, quand il me regarde comme ça, il y a même ma figure. Pourquoi il va manger mes yeux? Oh, le petit, il était très dangereux. Il voulait bouffer son papa, donner la date à son père. Le papa cherchait partout. Il a amené l'enfant partout dans les camps. On dit, ah, le monsieur qui peut aider c'est le prophète. Il a eu mon contact, ça l'a fatigué. Et puis un matin, le Seigneur dit, prends le monsieur. Quand je suis arrivé chez eux à la maison, j'ai dit, votre problème est réglé. Ils ne croyaient pas. Ils disent, ah, vous faites, on dit, il y a un médicament. Les sortes. Le petit me dit, ah, s'il n'y a plus de il est ici. Adam, vous tiens, viens ici. Voilà. Non, je rends le témoignage. C'est-à-dire, quand j'ai dit au sorcier, quand vous avez au monde de votre témoignage, si vous n'êtes pas délivré, le voici. Il est la grossie. C'est un ex-sorcier. Ex. Je suis allé à ma décharge. Je dis, mais j'avais un sorcier ici. Je dis, non, c'est S. C'est S là. S sorcier là. Ils excluent ça, c'est sorcier. Ils ont répondu. On l'a vu à la télé. Ah, comment on va manger ici? C'est qui ne mange plus? C'est qui mange à Yannevé? Les gens ont mal à croire qu'un sorcier peut changer. C'est ce qui est rentré dans la tête des gens. Qu'un sorcier reste sorcier. Non, tu peux changer. Or, Dieu peut changer le cœur d'un être humain, il peut changer tout le monde. De toute façon, il change le cœur d'un bandit, il peut aussi changer le cœur d'un sorcier. Amen. Amen. Oui, si vous découvrez que votre maman est sorcier, amenez-la dans la délivrer. Or, dans les villages, on les tue. C'est depuis que nous sommes dans cette région, cette pratique de faire danser les cercueils, ben, quand ça te coince, c'est article 11. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Dès que ça te coince net, tu n'as pas le cas de corps. Ça te coince net, tu n'as pas le corps. Nous avons arrêté tout ça. Nous avons arrêté cette pratique. Amen. Alléluia. Pourquoi porter lui, il était grand sorcier. Il fallait que je mette la chose. J'ai dit non, laissez ça. J'ai géré ça demain. Tu as fini sorcier du village. Viens ici. Et les sorciers, quoi? C'est ce qu'il a perdu. Quand sorcier me regarde dans rêve, c'est qu'un cauchemar. Ah, mais ça m'a fatigué. Dès que j'ai mis la main pour enlever le truc, je ne sais pas comment trouver la vidéo. Parce que moi-même, quand je regarde ça, ça me freine. Souvent, quand je regarde les vidéos, Dieu m'utilise pour aller arracher. Je me dis, mais comment j'ai pu à détruire ce petit? Souvent, j'ai peur. Parce que c'est comme mon cœur veut s'arrêter. Ça me l'électrocute jusqu'à ça touche mon cœur. Et puis je me débarre avec ça jusqu'à j'enlève le fétiche. C'est encore plus dangereux d'aller attaquer un fétiche. Tu peux attaquer la sorcellerie, mais on dit leur base, un canari mystique, fétiche. Ça peut même te tuer. Ce n'est pas qui veut détruire ça. Eux, j'ai mis la main. Je l'ai délivré en direct devant sa famille. Bien. Mais son papa n'était pas encore satisfait. Il voit l'enfant en sorcellerie. Comme toi, tu dis qu'il n'est pas fini. Oh, tu as vu ce qu'il a fait. La date est passée, tu n'es pas mort. Au lieu que tu aies dit, mais tu sais ce qu'il voulait faire. Je voulais envoyer les braqués chez nous. Et puis, ils vont le tuer. Dans le braquet.
On a sauvé la vie de beaucoup de personnes dans cette histoire. Hein. Comme lui n'accepte pas la délivrance de son fils, ok, moi je préfère le maintenir ici. Oui. Parce que ton environnement même peut te plonger encore dans les vilains choses. Parce qu'eux n'acceptent pas. Or, tu es délivré. Mais comme eux n'acceptent pas ta délivrance, or, tu replonges dans les vilaines choses. C'est pour ça que nous devons aider tout le monde en tant que croyants, en tant que ceux qui croyons en Dieu, nous devons aider les gens. Or, quand on parle de sorcellerie, on se dit non, la meilleure manière de régler ça, or, c'est de les tuer. Amen. Amen. Demain encore, j'aurai l'occasion de vous donner les secrets. Il y a une manière de régler ça. Amen. Amen. C'est fini, il y a une manière de régler ça. Une petite prière, tu maîtrises les mystères, c'est fini. Ce que tu envoies sur lui-là, lui, sur lui meurt, il tombe. Et les gens n'ont pas vu. C'est ça, il faut maîtriser les choses. Ce n'est pas la peine d'aller prendre un bourdin. Or, nous devons manifester l'amour. On dit Amen. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Amen. On ne dit pas Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Satan, c'est qui? Satan, c'est un voyou. C'est un petit bandit. Satan, c'est un voyou. Or, Dieu est puissant. Dieu au-dessus de tout ça. Amen. Amen. Nous avons le Seigneur. Vous êtes protégés. Dis Amen. Amen. Vous devez maintenant sur le chemin de Dieu. Amen. Or, là où tu es, là, si tu vas chercher femme des gens, Satan va te suivre. Te manger. Il y a des gens, c'est femme des gens, leurs yeux regardent. C'est de la sorcellerie. Il y a des femmes aussi, c'est mari des gens, elles regardent. Vous êtes des sorcières. Combien? Combien? Aïe. Quand il vient vers toi, là, t'as envie qu'il ait sa femme. C'est la sorcellerie. Chaque femme des gens, c'est un sorcier. Je connais quelqu'un, lui, il dit, c'est quand femme enceinte là qui cherche. Il dit, toi, tu as fini la possession. Il dit, le démon, tu te possèdes quand. Toi, tu as fini la possession. Elle a marié, ça t'a pas frayé. Je pense qu'elle a pas ta corps. Non, c'est que toi. Non, il y a des gens qui ont des vis très bizarres. Comme des démons. Quand tu peux voir femme qui est enceinte, c'est elle qui demande, madame, s'il te plaît, tu me plains. Hein? Tu peux sortir. Vous pouvez dire ça, tu connais. C'est qu'elle est dedans la propriétaire. Ça te fait même pas. Tu vois, sorcellerie. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Allons, je vais faire le bain d'huile, que Dieu nous aide. Nous allons prier, demander au Seigneur de nous protéger. Amen. Amen. Je tiens debout. Satan, c'est un voyou, une chérie. C'est un petit bandit. Oui, frère. Les enfants, les anges, les Satan, les détruire. Il faut les délivrer. Il faut les délivrer. Prions ensemble, Seigneur. Demandons au Seigneur de nous délivrer et de délivrer nos maisons. Prions. Nous voulons te prier, notre Dieu, merci. Mettons dans ta main et de nous visiter et de visiter nos maisons, Seigneur, notre Dieu. Merci au nom de Jésus-Christ. Nous croyons, Seigneur, notre Dieu. Merci, Jésus-Christ. Libérer nos maisons, nous libérer. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu es puissant. Nous rendons la gloire. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, on suit un peu les annonces. Demain, c'est la Pâque. Après, si dans votre église, aujourd'hui, c'est une veillée. Ça nous, c'est le programme. Demain, nous allons organiser, nous organisons demain le village de la Pâque. Quelque part ici, à la sortie des Divo, qu'on appelle le Maquis et les Mois. Il y aura le culte, demain à partir de 9h jusqu'à 12h. Entre 12h et 14h, il y aura la gâteau, on va recevoir tout le monde, manger ensemble, partager le repas. Le soir, nous aurons un concert, à partir de 19h jusqu'à 10h. On aura l'occasion de revenir un peu sur les témoignages des personnes que Jésus-Christ a délivrées, les yeux de la sorcellerie, qui viendront elles-mêmes, ces personnes viendront elles-mêmes, durant le témoignage d'abord, des aveux, nous aurons su les aveux,
Et après quoi, la nouvelle vie de ces personnes. Comme une jeune fille chez moi à la maison, Dominique, qui a fait la prison pour la sorcellerie. Et tout ça, elle a été délivrée. La dernière fois, je l'ai amenée même chez le juge, qui l'a même fait pour son procès. J'ai dit, tu as vu ce que Dominique est devenu aujourd'hui. Vous voyez? Alors, je suis en train de tout faire pour que cette jeune fille reprenne l'école. J'ai dit, hors l'interdit de séjour dans son village, les gens ne peuvent plus la voir. Parce qu'on l'a libérée à cause, parce qu'elle est mineure. Le juge a voulu qu'elle vienne chez nous pour faire sa délivrance. Alors, qu'il ait sa délivrance, il faut l'insérer maintenant. Or, si elle reste ici en Côte d'Ivoire, son passé, les gens vont lui ramener son passé. Donc, j'ai décidé qu'elle parte sur la France. Donc, j'ai trouvé déjà une famille d'accueil en France. J'ai déjà dit au juge, il dit, il n'y a pas de problème pour les papiers. Or, il faut aider les gens. Il faut aider les gens. Il faut aider au maximum les gens. Donc, je pense que c'est pris en charge. Heureusement, j'ai trouvé une famille d'accueil. La dame viendra très bientôt. Ils vont faire les papiers. Elle va revivre notre vie. D'ici 10 ans, nous allons la ramener pour qu'elle rende témoignage de la puissance de Jésus-Christ. Amen. Amen. Aidez les gens. Nous devons tous aider les gens. On dit Amen. Amen. Dans d'autres églises, ben, ils disent que nous, ici, nous, on tue ceci, on les délivre, on les tue. Amen. Amen. Ah, vous pouvez délivrer un sorcier. Alléluia. Donc que Dieu vous bénisse. Amen. Ne manquez pas demain la manifestation. Or, demain soir, je vais recevoir entre, après le culte, certaines personnes, je vais recevoir certaines personnes. Dimanche, lundi, c'est férié. Je travaille le lundi. Je vais encore travailler le lundi dans le but de finir un peu le travail. Peut-être que je vais me reposer mardi. Donc, j'aurai l'occasion de vous recevoir. Beaucoup de patience et tout ça. Amen. Amen. On dit Amen. Amen. Combien ici on doit être patient. Donc demain, je vais recevoir par la grâce de Dieu. Mais demain, 5h, je serai ici. Pour ceux qui veulent faire les prières, 4h, déjà 4h. Parce que demain matin, il y a le service des baptêmes. Dès que je finis le service des baptêmes, j'ai le programme du culte. Nous aurons demain la Sainte-Seine pour ceux qui sont déjà baptisés. Par immersion, bien sûr. Vous pouvez prendre la Sainte-Seine avec nous demain. Amen. Amen. Nous aurons un repas midi et deux. Le soir, nous aurons un concert par la grâce de Dieu. Nous aurons des artistes qui sont déjà là. D'autres viendront demain d'Abidjan pour égayer la ville de Divo. Nous allons profiter de ces moments-là pour gagner des gens à Dieu. Et ça, c'est important. Voilà, pour gagner certaines personnes à Dieu. Parce que nous, en tant qu'Église, en tant que croyants, c'est d'annoncer la bonne nouvelle du royaume. D'amener des plus chers à Dieu. Amen. Amen. Ok, Dieu bénisse. Amen. Pour avoir des livres d'abord.